C'est DBZ, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir au début de la vidéo les amis, on se retrouve bien entendu pour un nouveau tuto. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto les amis. Et là, comme le DLC 4 est sorti, je me suis dit pourquoi pas vous proposer un petit tuto pour obtenir les nouvelles techniques de ce fameux DLC les amis. Et sans plus attendre, on est parti avec le premier tuto dans la quête numéro 111. Donc le programme 0 mortel. Donc voilà, je rappelle, ce DLC est payant les amis. Donc pour avoir ces techniques, il faut le DLC payant bien sûr. Donc pour cette quête les amis, il y aura plusieurs ennemis, dont Black Goku qui aussi se transforme en rosé. Donc Black Goku rosé, C16, C17, C18. Et il y aura aussi Super C17 après l'événement. Donc comme vous le savez les amis, je le répète bien entendu, pour avoir plus de chances d'obtenir ces attaques, il faut tout simplement avoir l'événement. Et c'est pour ça qu'on est là. Je vais vous dire tout simplement comment obtenir cet événement pour avoir plus de chances d'obtenir ces techniques. C'est tout simplement très très facile. Déjà premièrement, il faudra tout simplement terminer cette quête en moins de 5 minutes les potos. C'est facile mais faites attention parce qu'il y a beaucoup de dialogues, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas si les dialogues sont compris dans le temps, donc je sais pas si ça compte les potos, mais essayez de prévoir quand même. Donc essayez de finir avant les 10 minutes au compte à rebours qu'il y a en plein milieu de votre écran. Ensuite, donc comme j'ai dit, terminez en moins de 5 minutes. Au niveau des ennemis les potos, donc premièrement il y aura Black Goku qui se transformera par la suite en Black Goku rosé. Donc je vais vous mettre un petit extrait parce que vous allez voir que quand je battrai Black Goku rosé, j'obtiendrai une technique les potos. En vrai ça c'est pas le plus dur, ça va finir en moins de 5 minutes. C'est après. Oh j'ai une technique. Une technique aussi ouais. Donc voilà, vous avez pu voir les potos, j'ai obtenu une technique. Donc il n'y a pas forcément besoin aussi d'avoir l'événement. Donc essayez de finir Black Goku rosé avec une attaque ultime. Je sais pas si je l'ai fait, mais c'est toujours mieux de finir les ennemis avec une attaque ultime. Donc cette technique sera tout simplement foudre absolue les potos. Donc en battant Black Goku rosé. Donc faites attention parce que toutes ces techniques de ce DLC font partie des techniques à Getei Zamasu. Zamasu fusionné si vous préférez, parce que voilà, je sais, la prononciation c'est pas trop ça. Bref, on s'en fout. Je pense qu'à chaque quête de ce DLC, en fait, il y a deux techniques. Ça c'est sûr et certain. Et en fait, je pense simplement qu'il y aura une technique qu'on peut obtenir sans avoir l'événement et une technique avec l'événement. Bref, donc c'est pour ça, essayez d'assurer le coup pour l'événement les potos. Ensuite, que vous avez fini en moins de 5 minutes, donc logiquement vous aurez l'événement. Il y aura Black Goku rosé et Super C17 avec une grosse santé les potos. Donc petit conseil, comme d'habitude, prenez des capsules, soyez avec des potos si possible. Et puis si vous voulez les techniques bien entendu, essayez de dire à vos potos de vous laisser les ennemis. Donc ensuite, faire très attention à Zamasu les potos, parce qu'une fois que vous avez l'événement, si Zamasu meurt, l'événement sera terminé. Donc essayez de garder Zamasu en vie, parce que sinon l'événement ne sera pas terminé correctement. Donc je tiens à préciser que dans la quête numéro 111, hein, les potos, il y aura deux techniques. Donc comme j'ai dit, foudre absolue et fureur divine. Donc je rappelle, c'est des attaques pardon à Getei Zamasu, donc qui sont tout simplement de super Kikoa. Et dans cette quête vous pourrez aussi obtenir la tenue de la résistance, le casque de la résistance, une super âme qui est tout simplement envoyez-moi votre puissance et une super capsule d'énergie Z. Il est en train de taper. Il se enchaîne à la fin. Tenue de la résistance, non, casque de la résistance, foudre absolue. Ensuite les potos, on enchaîne avec la deuxième quête de ce fameux DLC pour avoir les autres techniques de Getei Zamasu. Alors ça sera la quête numéro 112 cette fois-ci les potos, le dieu puissant Zamasu est là. Donc dans cette quête les potos, il faudra tout simplement terminer avec tous les alliés en vie. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer, il y a beaucoup d'ennemis, elle est super longue comme quête. Donc je vais vous apporter mes conseils pour obtenir ces attaques là. Donc premièrement, comme j'ai dit, il faut regarder tous les alliés en vie. Donc la première brèche, vous aurez tout simplement comme ennemi Raditz Nappa Zamasu. Et vous allez voir que vous avez Goku divin, il me semble, en allié. Il faudra tout simplement le garder en vie. Une fois que ces ennemis sont battus, vous allez passer la brèche et vous allez voir que il y aura Cooler, Freezer et Black. Et il faudra garder Vegeta cette fois-ci en vie les potos. Et petit conseil que je peux vous apporter, c'est de battre Black en dernier, car
une fois qu'il sera battu, en quelque sorte, il sera pas vraiment battu, mais vous allez voir qu'il va se transformer en Black Goku rosé, donc SSJ rosé, bref, et il faudra encore une fois garder Vegeta pardon, en vie, parce qu'il faudra battre Black Goku rosé, sauf que il y aura encore deux nouveaux ennemis qui seront tout simplement C16 et Cell Maléfique, en plus de Black Goku rosé, et encore une fois, garder Vegeta en vie, les potos. Une fois que vous aurez battu ces ennemis, vous allez passer encore une brèche, et vous allez voir que une fois que vous allez passer cette brèche, il n'y aura pas d'alliés pour le moment. Il faudra tout simplement battre Bou Enfant, Slug et Thalès Maléfique. Ensuite, il y aura une autre brèche encore à passer. Vous allez voir qu'il y aura Broly et Janemba Maléfique à battre. Une fois que vous les aurez battus, les amis, il y aura tout simplement Zamasu fusionné qui va apparaître. Donc c'est là, je pense, le plus important pour obtenir les techniques. Après, c'est mon avis, c'est mon petit conseil que je peux vous apporter, c'est que Zamasu fusionné, quand il va arriver, quand vous allez le battre, je vous conseille, c'est de le finir avec une attaque ultime. Je pense que vous aurez plus de chances d'obtenir des nouvelles techniques. Ensuite, vous allez voir que quand Zamasu fusionné va apparaître, vous allez aussi avoir du soutien, et ça sera Vegeto Blue. Donc il faudra bien entendu le garder en vie, parce que c'est tous les alliés qu'il faut garder en vie, les potos. Ensuite, vous allez voir qu'une fois que vous aurez battu Zamasu fusionné en gardant Vegeto Blue et tous les autres alliés en vie, si vous avez fait tout cela correctement, il y aura un événement, donc des petits dialogues, etc. Il va y avoir Super C17 Maléfique qui va apparaître, et C17 qui va apparaître aussi. Donc une fois qu'ils seront apparus, vous allez voir que leur santé est super bien élevé. Donc petit conseil encore une fois, comme d'habitude, soyez avec des potos. Je pense que c'est plus facile comme ça, surtout que la quête est extrêmement longue. Vous pouvez voir que dans cette quête je suis avec Frag Shooter, et il nous restera plus beaucoup de temps à la fin de cette quête. Ensuite, essayez d'avoir des capsules pour les deux quêtes, hein, les potos, hein, pour les deux quêtes, essayez d'avoir des capsules, parce que je pense que ça peut être important pour vous et vos potos. Et comme j'ai dit, petit conseil, que ce soit pour cette quête-là ou la quête d'avant, essayez de terminer les ennemis avec des attaques ultimes. Je pense que c'est le plus important pour obtenir les attaques de ce fameux DLC, les potos. Donc je tiens à rappeler que dans cette quête, il y aura tout simplement deux attaques aussi pour ces fameuses quêtes. Donc il y aura l'attaque ultime, colère divine, purification de Getai Zamasu. De toute façon, c'est que des attaques à Getai Zamasu, bien entendu. Et l'âme de jugement, donc voilà, qui sera aussi une attaque spéciale, et ces 4 attaques de ce DLC seront des attaques à améliorer avec des Kikoa. Donc si vous voulez améliorer ces techniques, ça sera amélioré avec vos attributs par rapport au Kikoa, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, les potos, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tuto. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que j'aurais pu vous aider, les amis, et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. C'était DBZ, et moi je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao les potes. できるんだぜ。こいつはたまんだぜ。